Paul Saint-Agnès du Lac-Mégantic, vu l'éloignement de plusieurs catholiques de l'église paroissiale, vu la possibilité de développement de cette partie de la dite paroisse, en conséquence, usant des pouvoirs que nous accorde le Code de droit canonique et de la liberté que nous laisse le droit paroissial de la province de Québec, n'ayant en vue que la plus grande gloire de Dieu et le bien spirituel des fidèles, après avoir entendu M. le curé intéressé et consulté notre vénérable chapitre diocésain de notre propre autorité, le Saint-Nom de Dieu invoqué, nous déclarons par les présents que nous avons érigé et érigeons dans l'ordre religieux et canonique seulement, en titre de cure et de paroisse canonique amovible, sous l'invocation du titre de Notre-Dame de Fatima, avec fête patronale le 7 octobre, fête de Notre-Dame du Rosaire, un certain territoire qui faisait partie jusqu'ici de la paroisse Sainte-Agnès. Pour être la dite cure et paroisse canonique de Notre-Dame de Fatima, sous notre juridiction spirituelle, à la charge par les curés et les servants qui y seront établis par nous,